Salut à tous. C'est le retour de Fletic. Salut. C'est Lati qui est mort. Ouais, la drôle a subi un petit peu un destin tragique. Bref, on est sur Fletic, qui est un démoniste de niveau 6, avec petit torse apparent, petite veine testostéroné. Alors les roues flaquettes, j'avoue, j'avais pas vu. Si j'avais vu, je les aurais pas faites. Mais tranquille, on va aller garder les petites roues flaquettes. Fallu Fletic, fallu fou, ça allait bien. On est avec un turbo démo. Comment on joue cette classe? Ok, je me suis rebuff. Ah oui, j'ai une peau de démon. En plus, comme ça, je me régène de la vie. J'ai un pacte de sang. On a du coup de l'XP bleu tout en étant bas level. Je pense qu'on devrait aller assez vite pour notre leveling. Je suis toujours avec Voltip. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a mis un coup dans le vent, genre? Ok, on rend une petite quête. Vous avez vu, on est déjà quasiment à la fin du niveau. Vaincre les traîtres. Alors, il y a des marins, il y a des soldats. Oh là là, il y a trop de trucs à faire. Faudrait que là, on retourne en bas. Je suis allé jusqu'à Tranche Colline, en fait, juste pour avoir une auberge, pour avoir l'XP bleu. Mais en soi, il faudrait déjà qu'on clean tout ce qui est en bas. Là, c'est des quêtes de niveau 10. Ouais, faut qu'on continue à clean tout ce qui est en bas. C'était très très bien de faire ça. On vient de paix en plus, les gars. Niveau fait. Merci. Par contre, jamais je meurs avec ce perso. Hein. Fletic, increvable. Regarde, je vais le prendre au couteau, genre. Comme sur CS, ça fait plus de points. Ça fait plus d'argent si je le prends au cut. Allez, coup de carambit là. Bam, bam, bam. Doppler. On a des nouvelles des serveurs au Fiardcore? Il me semble pas, non. J'avoue que je check pas assez well que, autant que je devrais. Est-ce que vous... Ah oui, c'est ça que vous m'avez dit. Il faudrait que je fasse enchanteur et quoi? Couturier? Couturier enchanteur, c'est les métiers que vous m'avez dit à faire ou pas? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus le combo de... Ok, c'est le moment du grid. Oh, il m'a cut. Ah, c'est... Comment ça, ils ont des cuts niveau 6? Moi, j'ai dû attendre le niveau genre 40 avec mon guerrier. Allez, Voltip, DPS! DPS, Voltip! Nice! Bon, bah, je me casse, hein, je vais pas non plus attendre le rip-hop. Et j'avoue que j'ai fait un truc un peu stylé. Oh my god! Il est élite! Zalafil! Eh bah, Zalafoumal là! Zalafoumal s'il perd contre moi. Hein. Mordop, Mordip, vas-y, Mordot! Ah, il a cut mon. Ah, quel con! Quel con! Hop là! Oh! Ah non, j'ai pas. Ah non, j'ai pas rien en fait. Mais, il y a un d'esprit. Dommage. Dommage en vrai. Par contre, du coup, ça nous fait gagner un PA. Avec la revente, ça nous fait gagner un PA. Ce qui est huge pour notre niveau. Ok, vas-y, on va se faire le mob de quête là. Lieutenant Bénédicte, est-ce qu'il va me cutter? Bah oui, petit chauve. Bah oui, petit chauve. Mamo qui tient, hein. Gimme that shit. Comment il est mort ici là, Das Dingo? Comment il est mort ici là? Il est où mon diablotin? Ah. Par contre, j'ai besoin de toi, mon ref, hein. Oh, le diablotin il se met dans une sauce tout seul par contre, hein. Oh, ok, fils de Baba Boy. Frérot, le diablotin il m'a mis dans une sauce, il me trempe. Il m'a trempé comme si j'étais Nuggets. Puis jamais il me fait ça en fait, le diablotin il fait quoi là-haut? Ce qu'on va faire, c'est je vais ici, on va essayer de choper les crabes. Into, on descend un petit peu, on fait les œufs. Après, on continue de descendre, on fait les trucs vaudou, les trucs, enfin, tous les trucs qu'on en fait qu'on a essayé de faire niveau 5. Bah là on va le faire mais niveau 7, donc ça devrait mieux passer logiquement. Je suis une tétra salope si j'ai pas le prochain respawn là. Un coup de dague spatial arrive. Le Neymed il arrive devant moi mec. 3, 3, 6, 1, 0 maintenant. Oh my god, what? Non, non, ok, la table est... J'ai pas de sort instantané moi. Ok, y'a plus personne, y'a plus personne sur le spot. Y'a plus personne. Casse-toi, toi. Fegok. Contre Fletic, un V1 mortel. En plus, il est niveau 10, c'est-à-dire que je peux le rater avec mon auto-hit là. Ok, j'essaie de le fumer vite, le troll vaudou. Into, instant très jeune. Faut que je sois full mana s'il y a le mec qui respawn. Non, Felgog, fais pas le con. Je suis sur cette quête depuis la semaine dernière. Crois-moi que j'ai plus d'honneur. Ah, c'est la jungle. Niquez-vous les orques. On n'est pas frères en fait. Que dans le lore, pas plus. Notre fraternité s'arrête dans le lore. Amogus. Ok, ils sont distraits. C'était le pool de trop. Fuck! Non, ils ont refocus! Ok, y'a un mec derrière. Psst, Felcock, regarde derrière. Ouais, regarde derrière. Presque! Encore! Oui, il se tourne! Il s'est tourné! Il sait pas. Nice, le heal. Merci le petit troll pour le heal. Continue de tanker! Il y en a un derrière. Psst, il y en a un derrière, les gars. Behind you! Ouais, allez-y là sur le troll vaudou, allez-y ouais. Voilà, en plus les deux ils sont en combat et tout. Ah là, allez-y. Faites-vous plaisir. Franchement, tapez-le, je suis gentil. Là, il se remet en la même position. Ah, oui, le moins 1. Easy. Ah, le rapetissé.
Le rap tissé sur une cible externe. Sheesh. See you. Oh. Oh. Huge. 3 PA. Ok, on tue le dernier mec ici. Et on se casse. Ah non, il nous manque les pots là aussi. Vous avez vu ou pas le moins 1 à la dague? Il était insane, hein. On rend du coup le crâne, on rend Zalazan qu'on a déglingue. On va prendre le truc qui vaut le plus cher à rendre, on est déjà mid XP. C'est incroyable. On va rendre le coup des petits crabes. Et on va rendre peut-être le coup des crabes un peu plus gros. Ah non, c'est les fourrures du tigre, pardon. Ok, et ben on est déjà quasiment à la fin du niveau d'après. Donc c'est incroyable. C'est quoi le mieux? Je monte maintenant à pied et je fais tour Grimard et après je repierre de foyer. Ou est-ce que je pierre de foyer maintenant? Je fais ça. Oh, tuer la bête. Oh, aïe. C'est quoi tous ces mecs là? Ah ouais, c'est Gammon is gay. Gammon is trash. Gammon is ugly. Gammon rip. Gammon is bold. On va aller prendre le fly. Alors je sais pas du tout où est-ce que c'est. Alors couturier, je crois que c'est savoir où c'est. Enchantement, pas du tout. Juste vendre ça, se faire un peu de place. Allez, c'est parti pour apprendre. Et franchement, me faire apprendre quelque chose à moi, faut y aller. Hein. Avec ce que je viens d'avoir, peut-être que je peux crafter quelque chose. Ok, donc là, on va enchanter notre bâtonnet. Maintenant que j'ai enchanté mon bâtonnet, je peux faire des trucs. Plus 5 points de vie. Ça me fume. Ok, bon, en tout cas, ça c'est fait. Est-ce que j'ai besoin d'acheter quelque chose? Ouais, je peux acheter ça, mais c'est 8 PA, j'ai vraiment pas les sous. Ok, Tral, ennemi caché, on va prendre la quête, même si je pense qu'on va la faire beaucoup plus tard. Les ordres de l'amiral, ok, bam, il va peut-être... Ah, il me redonne rien? Je pensais qu'il allait me donner une autre quête. What? Oh, j'ai pas mis ma pierre de... Non. Et ben on va commencer à tourner à gauche, on va faire tout ce qui est empiètement. Donc là c'est les tranches crins. Ce qui serait bien c'est qu'on fasse aussi aujourd'hui la, vous savez, la quête au-dessus là, dans la petite grotte avec l'insigne du lieutenant, etc. Allez fun, cette quête est vraiment fun. Oh, il vient de mourir. Ma première mort. Putain, je suis pas dans une guilde, c'est pour ça que j'ai pas l'alerte. Il vient de mourir sous mes yeux, gros. Mais non. Ah, je suis mort. Mais non. Il aggro tout ça. Mais c'est un malade. C'est un malade. Alors l'invocation. Parlez à Ganrul Bloodeye. C'est lui Ganrul Blood... Ah non. Tiens, d'ailleurs on va prendre la peur. On va prendre le siphon d'âme. Même si c'est plus un sort qui va être drôle que de chose. Attends, on va tester un bail. Et là si je te fire, juste pour voir si c'est drôle ou pas. Ah, c'est marrant le fire. Ah ouais, c'est vraiment marrant le fire. Ça va, pas trop broken le CC, hein. Ah, t'es mal, où est-ce qu'il est, gros? Hop, t'es là, j'en veux plus. Hop, là, tu repars. Non, mais c'est vraiment drôle, hein, comme ça, hein. Je vais faire que ça, genre. Allez, casse-toi, va voir le goûter si j'y suis. C'est trop drôle, en vrai, de fuir. C'est trop fun. Oh non, il va me toucher, le gars. Hop là, fille, hein. Je vais vraiment vous dire ça pendant tous les niveaux. Chaque mob. Il reste si peu de démonistes, nous risquons beaucoup, mais cela n'en vaut pas la peine. Vous devez récupérer d'abord, vous devez récupérer la table de verga qui a été volée par des démonistes. One eternity later. Je pense que claquer un fier par contre dans cette grotte, c'est un peu ouh, gangrotisseur. En vrai, moi je suis chaud pour l'aider, tu vois. Ça attrape un peu, mais tranquille. Is it possible to ship it? Only one way to... To know, y'a qu'une seule façon de le savoir. Hein. Alright. Fordord, ah. Ah, il est français, ah, moi aussi. Fallu. Fallu. Mais fais les tics. Attends, c'est un français le ref. Je rigolais, non, je rigole. Vas-y, Mordot. Je te le laisse. Et là, boum, tu sais, je l'aide pas du tout. Non, vas-y, on va l'aider. Reviens, frérot. Oh oh. Qu'est-ce qu'il nous cuisine? Oh, dans sa grand-mère, le trait de l'ombre. Ok, il bandage derrière. On protège le ref. Pourquoi j'ai fait ça, frérot? T'inquiète, je vais le fire. Hop là, le fire, tactique. Je le suce. Regarde, faut peut-être pas que je crie ça quand j'ai la fenêtre ouverte. Ah, nice. Et en plus, on a eu l'insigne du lieutenant. Genre, troisième mob. La petite tablette. Ouh, y'a Gazus qui est juste en bas, là, niveau 14. Complexe. Effectivement, c'est le mot, ouais. Complexe. Y'a du mob partout.
Ah, c'est chaud. Oh, ça me fait toucher. Il veut tenter un chip tactique. Ah putain, faut descendre, faut descendre. Oh merde, non, yes. Je me casse, gros. Gros, t'es... Il faut qu'il monte. Monte, frérot. Ok, nice. Donc, on rend les deux quêtes. On passe pas le niveau 11. Alors, mon Voltip, il avait quoi? Genre 50 points de vie? Un truc comme ça? Il a combien d'HP là, le marcheur? Il a 260. Sachant qu'en plus, là, je vais pouvoir du coup acheter Immolation rang 2. Peau de démon rang 2. Création de pierre de soin également. 45 les sacs? Ah, ça m'intéresse ça. 45 les sacs? Ah, sac en lin. Attends. Ah, merde, ouais, mais du lin, j'en ai plus. Si? Il me reste deux. Ouh, attends, please. Non, il en faut trois. D'ailleurs, vous avez vu ou pas les dramas avec Mid Jones par rapport au sac? Vous avez vu ou pas ce qui s'est passé? En gros, pour ceux qui savent pas, c'est comme si moi là, vous me voyez donc avec le démoniste. Normal, tu vois, je suis comme ça. Et je sais pas, je restream, on va dire, mardi. Bah, mardi, vous me voyez. Sauf que là, j'ai 4 sacs, genre 12 emplacements ou 14 emplacements. Genre au niveau 10, tu vois. Donc ça pose un peu une question de légitimité au niveau du hardcore, quoi. Et ouais, voilà, le mec, bon, il est un peu assez Mid Jones, hein. C'est pour ça que je l'aime pas trop le pote. Il a pensé que ça se verrait pas. Bah, au tout début, il a commencé un peu à mitonner, disant ouais, non, mais voilà, tu sais, ça commence à bégayer. Into, au bout de 10 minutes, il a dit non, mais ok, c'est bon, c'est un viewer qui nous a donné, tu vois. Mais en même temps, je sais pas quoi, tu t'attends quand tu... Enfin, je sais pas. Encore limite, si on lui file des PO, il a acheté des sorts, on l'a pas vu. Elle peut-être passer, je sais pas. Acheter un truc comme ça, aussi gros, surtout quand il appuie sur ses sacs et qu'on voit... Ouais, tu passes de 0 sac à 4 sacs, 14 emplacements, je fais bon, je suis un frérot. Je ne prends pas non plus pour des trises.